Oye, oye, jeune aventurier des mondes virtuels, et sois le bienvenu pour une vidéo découverte d'un tout nouveau jeu, et donc vraiment tout nouveau puisqu'il vient de sortir ce 23 mai 2024 sur PC ainsi que plateforme mobile iOS et Android. Ce nouveau jeu, c'est Wuthering Waves du studio Kuro Game. Nous sommes ici sur un jeu de style action RPG avec du multijoueur possible, et concernant le modèle économique, bien que le jeu soit free-to-play, c'est tout de même du gacha, je tiens à le signaler. Donc c'est-à-dire un modèle économique de type Genshin Impact pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme gacha. Alors, je vais donc débuter serveur Europe. Cliquez pour vous connecter. C'est tout bon, je pense. Choisir votre nomade. Donc on a le choix entre un personnage masculin ou un personnage féminin. Je vais prendre le personnage masculin qui est ici. Bonjour jeune homme. On va s'appeler Dashup, hein, tout simplement. Et je ne sais pas si je vais aimer le jeu, on verra bien. En tout cas, s'il y a des cinématiques, il y en aura je pense, je me tais à ce moment-là. Je confirme. Just woke up and here I am chatting up a storm. Are you all right? Do you feel any discomfort? You can call me Trisha. And she's Yang Yang. Bon, je pense que là je peux parler moi durant ce petit dialogue, hein. C'est pas réellement une cinématique. Alors, j'ai déjà regardé quelques streams de ce jeu pendant que je travaillais. Oh là, c'est pas bien Dashup, parce que Dashup, il a un travail. Oh là là, c'est honteux. La trad FR, c'est pas trop ça. Il y a des moments, vous allez voir, même Google Trad fait mieux. Du coup, bon, mauvais point de ce côté-là. La cinématique, on l'a eu en introduction, j'ai pas aimé. La musique, j'ai pas aimé. Comme ça, ça donne envie d'aller continuer. Pourtant, je suis très bon public, hein, mais là, j'ai eu l'impression de voir une cinématique random avec une musique générique. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'une cinématique d'introduction. Je préfère avoir une mauvaise cinématique et un bon jeu que le contraire, bien évidemment. Pareil, comme on est sur internet, il faut tout préciser, parce que tout est toujours mal compris ou compris de travers, parce que la même chose en fait de ce que je viens de dire. Quand j'ai dit Genshin Impact en tant que jeu gacha, ça veut pas dire que c'est le seul jeu ou celui qui a inventé ce système économique, hein. C'est juste que c'est le plus populaire de ces jeux chez nous, donc c'est celui qui parlera au plus grand nombre. C'est comme quand je vais parler d'un exemple de MMORPG, en général,
je vais donner World of Warcraft ou Final Fantasy XIV parce que ce sont les plus populaires. Je vais pas sortir Tibia, par exemple. Oui, ça existe. Un vrai MMO, Tibia. Il existe pour de vrai, hein, je vous jure. Ah, j'ai pas eu accès aux réglages non plus de tout ce qui est son, de tout ce qui est touche de raccourci clavier dans le menu du jeu. Donc j'espère que ça ira. Les raccourcis sont changeables. Parce que moi je suis gaucher, un vrai pur gaucher bien casse-couille qui utilise donc le côté opposé du clavier par rapport à vous. Vous, les gens normaux. Bon, le chara design est classique dans ce type de jeu. C'est agréable. C'est pas... voilà, ça réinvente pas la roue, mais c'est ok. C'est pour cacher l'interface, j'imagine. Ouais, ok. Ça permet de prendre des petits screenshots en cas de besoin. Toujours agréable de pouvoir prendre des petits screenshots. Surtout qu'en général, dans les dialogues, on voit bien les personnages, on voit bien les tenues et tout. Donc c'est toujours chouette de pouvoir faire ça. Est-ce que je vais jouer à ce jeu? Je ne sais pas. Là, je vous le montre sur la chaîne parce que bah, il vient tout juste de sortir. Il est accessible gratuitement et que c'est un style de jeu qui plaît à beaucoup parmi vous. Bah, j'ai dit beaucoup, pas tout le monde. Et que du coup, bah, forcément, j'ai envie de vous proposer le début du jeu. Puis si le début vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller vous le télécharger et testouiller de votre côté. Les liens, ils sont dans la barre d'infos. Hein. Donc n'hésitez pas à dérouler cette petite description de vidéo. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Donc nous sommes dans le chapitre 1, acte 1. Let's go, voyons voir si le clavier... Eh ben non. C'est du WASD. Alors on va devoir modifier tout ça. J'espère qu'on peut le faire parce qu'il y a des jeux où quand t'as pas fini le tuto, tu ne peux pas. Ici. Alors... Bon bah visible... Ah bah non, c'est pas la manette. Ah oui, clavier et souris. Ok, il y a la manette. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question. Bon bah je fais une petite coupure le temps que je règle. Hein. Ok, je ne peux pas jouer avec mes touches de raccourci habituelles. Ça va donc être une catastrophe incroyable. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles avec ça. Oh, ça va être chiant pour moi, vous imaginez pas à quel point. Ok, donc ça c'est quoi ça? C'est un collectable. Collectible. D'abord on dit un collectable ou un collectible? Je sais jamais. Un objet qu'on collecte, c'est plus simple. Donc du coup, niveau de la réactivité, ça va être une catastrophe. Hein, puisque je suis pas du tout... Là, j'ai les bras, ça va pas du tout. Hein. Je suis obligé de jouer avec le côté gauche du clavier. Pour moi, c'est une cata. Ah, je vous dis pas les doigts, la position qu'ils ont sur le clavier, ça fait peur. Hein. Ah, est-ce que ça se ramasse cette petite chose? Oui. Il y a un double saut? Non, ici, j'ai pas de double saut en tout cas pour l'instant. Faut aller où? Faut aller là-bas, ok. Youhou! Alors, vous avez vu qu'on a pu grimper sur la falaise et non pas seulement escalader. Ça, c'est chouette. Appuyez, maintenez W et clic droit. Près du mur pour... Ah bah, c'est fait. Allez. Ah. Tapez E. Fallait attendre une... No hesitation. Oh là là, les claviers ça va pas du tout. Allez, lui il est bientôt mort. Ok, ça c'est fait. Donc moi quand j'appuie sur la touche E, ok c'était ça. D'accord. Ça c'est un collect, un objet collect, de collection. Parce que je sais jamais si on dit collectable ou collectible. Et ça me perturbe. C'est sympa cette tête de dragon. Je sais pas si ça donne envie d'aller s'approcher. Bon, je pense qu'on a pas trop le choix de toute façon. Arrête de regarder mes fesses. Ah bah là j'aurais bien voulu en voir plus par exemple dans la cinématique avec le dragon. Ça aurait été sympa. Peut-être que ça viendra par la suite. Je me souviens de quelque chose.
sentinel in your memories? Yes. Oui, une sentinelle. La statue, j'aime bien. Oracle Engine Sentinel in Zhengzhou. There is one capital and six cities in Huanglong, with each city having its own sentinel. While the sentinel in Zhengzhou is known as. J'avance un peu les dialogues. Alors, il y a des sentinelles ailleurs aussi. Bon, le but, c'est pas non plus passer que du dialogue. One can hardly see our sentinel with their own eyes. Both according to your description. Oh, il y a un petit lapin derrière, j'avais pas vu. Only the sentinel's appointed resonator is allowed in its proximity. For now, that. Bon, il est pas très vivant le lapin. Il fait la gueule. Chisia might be in danger. Rover, please. Alors, j'appréhende les phases de combat parce qu'avec les claviers là, le raccourci, ça va pas du tout pour moi. Voilà, c'est du combat. I sense your weakness. Pour l'instant, ça va. R pour appuyer, je sais pas ce que ça fait. C'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Donc dans le jeu, on peut choper des échos. Et en fait, c'est comme une petite créature, vous allez invoquer, il va venir faire sa petite attaque. Ah bah, c'est... Attendez. Appuyez sur 2. Ça marche pas. Ça marche pas. Pas la touche 2. Ok, merci. Je pense que faut passer le clavier en QWERTY. Et ça, c'est chiant. J'en ai ras le bol. C'est pas gênant. Enfin, si, c'est gênant, mais je veux dire, c'est ce côté répétitif des jeux que dès qu'on vous propose du français, la trad est pas trop bien. On prend pas l'AZERTY en charge. Et faut passer en QWERTY, c'est chiant. Ou alors mettez un avertissement fait dans le jeu dès le début. Quand vous lancez le jeu, attention, nous ne prenons pas en charge les claviers AZERTY. Comme ça, t'es au courant. Et tu passes ton clavier AZERTY directement avant de lancer le jeu. Et pas quand t'es en plein dans le jeu. Allez, je repasse sur lui. En faisant ALT avec la souris, je peux... changer mon personnage. Donc ça me permet de pallier à ce petit souci. Oh, il y a un papillon. Ok. H. Dans le combat, les résonateurs et résonatrices, donc les personnages en fait injouables, accumulent l'énergie concerto quand ils infligent des dégâts ou s'esquivent dans le combat. Lorsque l'énergie concerto d'un membre de l'équipe est pleine, l'icône de celui-ci s'affiche d'une manière particulière. Ouh, elle est particulière. Quand l'énergie concertante... Oh là là, cette traduction. Quand l'énergie concertante est pleine, changez le personnage qui quitte le combat, utilise sa... Oh là là, ça me donne même pas envie de lire. Ok, allez. Là, ça se ramasse. Il y a quoi ici? Il y a des petites choses. Il y a un coffre. C'est une marge. Ouais, c'est un coffre. Oh là là, il y a des coffres dans le jeu. Cherish every gain. Expérience Union. Et là-haut, il y a quoi? J'ai envie d'aller voir, moi. Ouvrez le sac à dos pour vérifier les items acquis. Oui. Alors, fourni de l'XP d'armes, sabre novice, épée novice. Ok. On va rien renforcer tout de suite parce que de toute façon, c'est un jeu qui va nous l'expliquer, j'en suis sûr et certain. C'est toujours comme ça. Y'a rien de spécial. Voir. Page récupérée, ok. Il y a un système de pages à récupérer et à collectionner. Y'a un truc là-haut. Comment je descends? Comment je descends de cette merde? Ok, c'est bon. Ah, des œufs! Ok. Ah, mais il y a un coffre là-bas. Ok. Petit coffre. Super. Là-bas, il y a un collectible.
Donc, un objet à ramasser. Ah là là, dans les commentaires, j'espère qu'il y en a qui vont me répondre. Ils vont tous me répondre, ils vont pas parler du jeu, ils vont juste me dire on dit ça, on dit comme ça, on dit comme ça. Bon. On va faire la suite. Ok. Rien d'autre de spécial. Je vois pas de... Au moment où je dis je vois pas de coffre, qu'est-ce que je vois? Un coffre. Oh, il y a un lapinou qui court. Ok. Ça, ça doit se ramasser. Oui. Alors, on va ramasser aussi. When you see a beacon, be sure to register and activate it. It's usually safe within a 5-meter radius of a beacon. It can protect you from danger sometimes. Rover, allez, activons cette petite balise qui n'attend que cela. Dan. C'est quoi ça? Je suis sûr que ça se ramasse. Ça doit se casser alors. Oui. Ok. C'est de la plante d'ambre. Ok. Bon bah let's go. Une petite mare. Très jolie. Allez, c'est à l'instant avec la belle vue. Once you're out of the gorge, there's only a short walk to reach Jinjo. Ça me fait penser à Terre Island. Jinjo is the safest place around here. The resonance nexus provides coverage for the whole city. Besides, we've got a protective barrier and strong fortifications. Ça va quoi, tu es en train... Oula, Zashup, fais une phrase avec des mots qui sont compréhensibles, s'il te plaît. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce qui est sorti de ma bouche. Je voulais vous dire, je ne sais même pas en quelle qualité graphique on est, parce que j'ai même pas regardé encore. Ça se trouve, on est tout en l'eau. Bon, je pense pas que le jeu nous ait mis tout en l'eau. Il faudra que je regarde ça. En tout cas, ça semble lock à 60 FPS. Ce qui n'était pas le cas lors des précédentes phases de test. On regardera ça. When did it show up? It wasn't here when we just got here. But I didn't sense a hint of a task, so it appeared while we weren't looking. Or maybe the etheric sea can tell where the center of the tacit field. Isn't that Ouais, on faut avoir des bons yeux. Moi, je l'aurais pas vu. Bijah! Non, c'est écrit Bézi. Bézi en français. She said she was off to collect some samples. Bijah wouldn't take such risks without careful consideration. The faster a tacit field forms, the longer its dormant period lasts. For now, right. The glider can't carry us beyond the tacit field's range. On va devoir y aller. Now it's time to use a glider. Utilisez la fonction de glissement de votre appareil. Où on va glisser, mesdames et messieurs? Alors, comment ça fonctionne? Quand vous êtes en... Ah bah ok, voilà. J'ai eu le réflexe d'appuyer sur échappe. Et c'était ça. Bah oui, faut pas me traîner partout, dis donc.
à soudain mon corps. Are you alright? Worry has clouded your judgment, Yang Yang. His vitals are stable with normal sized pupils and a steady breathing rhythm. This isn't the place for talking. Let's go. Il y a un monsieur qui n'a pas l'air très gentil et très diplomate. Bonjour. On est obligé de s'attaquer? On peut faire connaissance? Je m'appelle Dashup. Enchanté. Allez, tiens. Alors, appuyez sur LFC pour l'utiliser. On a verrouillé la caméra comme le jeu nous l'a dit. Bon là pour l'instant je me contente de bourriner. Et bim dans les dents. Et ça fait des chocs à pic. Oula. J'avais pas prévu cette petite compétence que je me suis pris dans les dents. Je crois qu'il est pas content. Et où, coquine? Ouille. Est-ce que je peux esquiver dans les airs? Bah, laisse-moi essayer. Oh, c'est pas très flagrant. Il est où? Il est là. Les combats sont dynamiques, ça c'est cool. Oh, c'était un pigeon. Ah, il est dans les dents. On a bientôt notre ulti. Voilà. Donc c'est ça en fait ulti, je confonds. La moitié de mon clavier parce que je sais pour son mi-touche. C'est pas du tout avec lequel je joue. Aïe, on maltraite pas une jeune demoiselle sans défense. Oh, il est quasiment mort là, c'est bon. Voilà. Et tout ça avec un clavier pas du tout bon pour moi. Ça, je suis même pas décoiffé, c'est incroyable. On peut même secouer la tête parce qu'on a mis du gel et du coup la coiffure elle tient. Cette vidéo est sponsorisée par Viveldop. We could see that darn barrier but couldn't lay a finger on it. I'm fine too. I've never seen such a formidable tacit discord before. But Rover was able to complete. Arrête de m'appeler nomade, je m'appelle Dashup. Oh come on, stop being. Bon bah j'ai impressionné ces mesdames. Maintenant elles vont se battre pour mon corps incroyable. That's strange. This place isn't known to be so dangerous.
this out. Ah, il fait moins peur comme ça. On dirait un bonbon. Donc les échos, c'est ce que je voulais vous parler tout à l'heure en pensant que c'est ce que le jeu allait m'expliquer sur un monstre. En fait, c'était pas du tout ça. C'est maintenant. Vous pouvez choper, on va dire, en gros, l'âme d'un ennemi. Et ensuite, vous allez pouvoir l'invoquer pour avoir une de ses compétences. Qui va, enfin, voilà, il va revenir faire une compétence, un truc comme ça, dans le genre. Donc je suppose que c'est de ça qu'on va parler. Reverberation, everything in our world is made up of frequencies, and every sound generates a reverberation. Those echoes are the lingering reverberations of tacit discords after they disintegrate. We can absorb. Oh, by Pangu terminal, she means the gourd-shaped device every resonator has, developed by researchers in Huanglong. But you see, it's not always we get to find these. Also, there's a limit to what your gourd can absorb. Absorption is only possible when your data bank's level is equal to or higher than the tacit discord's level. The terminal converts its reverberation into an echo for use in battle. My terminal issued a warning when it detected that tacit discord earlier. It should at least be an Overlord class. Rover, would you mind checking your data bank level? Oui, vérifions. Rover, why don't you just try absorbing? Allez, je veux ma gourde. Oh, so it doesn't work. Ah bah non, j'ai une gourde à zéro. No worries. You can start with smaller ones before tackling this guy here. There should be some sweet baby roche rooms around here. Let's go check those out, shall we? We'll need to report the unusual phenomena here to the city hall and the academy. Let's make our exit. Je veux mon écho, moi. Pas besoin d'une gourde, les filles. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. What kind of power is that? Rover, you've been playing the fool all along? I've never seen a resonance ability quite like this. You got any other tricks up your sleeve? Like eating a whole tacit discord? Grilling echoes alive? C'est presque avalé. Indeed. So what would a tacit discord taste like? Spicy? Sweet? Rover, are you feeling all right? Any discomfort? Could it be the side effect of fighting that tacit discord? Baijun. Can we take Rover to do a checkup at Huashu Academy's Resonance Medical Department? Baiji? Absorbing echoes with the human body is not entirely unprecedented. With the human body? I remember comprehensive mirror for historians meant a celestial being descended, commanding the Tiankun's boundless power, assuming mortal form. They condense the primordial essence, creating Pangu. Cleaving heaven and earth apart, they aligned the celestial and terrestrial. That's where the names Pangu Terminal and Tiankun Databank come from. Whether it's true or not, that story happened a long time ago. When could it be that Rover's like the great, 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 Je suis pas si vieux que ça, là, la gamine, la chute. Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis. Rover.
Jill's back. This is a holographic message to all of Jinjo from the City Hall. My fellow soldiers and citizens, I apologize for any inconvenience caused. I am Jin Shi, the Magistrate of Jinjo. As the Moon Chasing Festival approaches, our city welcomes visitors from around the world. The festivities are highly anticipated by our people, and Jinjo has always been a crucial defense against the tacit discord outbreaks, safeguarding Huanglong. We have a heavy responsibility in our shoulders with no room for retreat or fate. It is the dedication of our warriors, along with the diligence of our citizens. Despite the challenges of tacit discords, we remain... Elle respire pas le bonheur, la madame de l'hologramme. With that in mind, I have a favor to ask. Among our many visitors, there is one visitor that holds utmost importance to me, the city of Jinjo, and the entirety of Huanglong. We have awaited your arrival for a long time. Given the circumstances, you may be feeling bewildered. La réveille, bah oui. You should have noticed some strange happenings related to you. If you plan to stay in Jinjo for some time, I would be more than delighted to personally meet you in the city. While I cannot guarantee to provide all the answers you need, I will do my best to assist you and provide necessary permissions, if applicable. This is only my personal request. You can decide your course of action in any way you see fit. Therefore, I request the people and soldiers of Jinjo to assist this esteemed visitor when the opportunity arises. Ah, je suis trop une VIP. Enfin, un VIP, pardon. Eh ben... Maintenant, on va être où là? On va devoir y aller à pied ou pas? Il y a beaucoup de dialogues, hein. This person our magistrate was talking about is Rover. On parle de moi. Prends une star. Wow, so this is the true measure of a chief. I mean, of our Rover. Et quoi, le pouvoir du nomade? This is the true measure of a chief. It's a famous line from a good old hero play. It's been running for almost 4 years. It's really heartwarming tale about the... Does that hero play story sound familiar to you? Hey, that ain't the point, okay? What are your plans now, Rover? je vais la rencontrer, hein. You had a flashback of yourself looking into its eyes when you saw the statue of... We can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, whether you were the visitor our magistrate mentioned or not, he was surely important to Jinjo. Ça y est, j'ai mis groupie. Elle se trouve une love. Regarde-la, regarde-moi. Elle me dévore des yeux. Je suis un snack. We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs packed together. And that elite one was so scary. Well, you did get rid of most of them. Anyway, once we're back in Jinjo, I'll treat you that famous specialty from Pan. Eh, ça parle déjà de bouffe. Bon, elle est quand même plus sexy que Paimon, hein. Ok, donc là, on est dans une jolie petite zone à découvrir. Et ça, on va le découvrir dans la prochaine vidéo. Parce que sinon, ça va vous faire une vidéo qui dure très longtemps. Donc, je fais comme d'habitude, hein, je vous propose plusieurs vidéos à la suite du début du jeu. Comme ça, vous pouvez suivre mes débuts. Hein, on peut se faire tous ensemble. Vous voyez, vous, de votre côté, si vous appréciez déjà le début du jeu, si ça vous donne envie de... de le télécharger et de l'essayer de votre côté. Et puis voilà. Du coup, c'est une sorte de... comme un let's play à l'ancienne, mais que pour le début du jeu. Là, le jeu vient de sortir, de toute façon, donc je peux pas vous proposer autre chose que le début. Le jeu, il est là depuis aujourd'hui. Bon, il est sorti à 4h du matin chez nous, donc bon, hein, moi, je dormais à cette heure-là. Ensuite, j'ai travaillé. Donc voilà.
Eh ben, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, apprécié ou pas d'ailleurs, hein, dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez envie de voir la suite, sachant que de toute façon, la suite arrivera. Voilà. Mais comme ça, je peux déjà voir, je peux doser de mon côté, voir si vous appréciez ou pas. Et puis, je vais essayer de voir pour régler les raccourcis clavier, mais directement avec mon logiciel clavier, du coup, parce que là, ça va pas être possible pour moi de jouer dans ces conditions. Et bah voilà. Moi, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming, hein, et ce, comme toujours, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes petits amis, bah, c'est de s'amuser. Et bah ouais. Ciao, bye bye.